Les techniques présentées dans cette vidéo sont faciles à reproduire si vous avez un bon niveau. Préparation, 15 minutes. Dans cette vidéo, vous allez apprendre à hacher des herbes fraîches, c'est-à-dire les couper en tout petits morceaux. Vous répartirez alors plus facilement leur saveur dans vos plats. Suivez les étapes de réalisation et vous maîtriserez rapidement cette technique. Dans cette démonstration, nous utilisons du persil. Sentez-vous libre de le remplacer par les herbes de votre choix. Vous aurez besoin d'une planche à découper et d'un couteau éminceur dont la lame est arrondie. Il est important que votre couteau soit bien affûté pour couper les herbes sans les écraser. Avant de commencer, nous avons lavé, essuyé et équeuté le persil. Première étape, rassemblez les herbes. Faites un petit tas avec les herbes. Maintenez-les ensemble pour qu'elles ne s'éparpillent pas, tout en évitant de les écraser. Deuxième étape, ciselez les herbes. Coupez les herbes en lanières, de cette manière. Le geste se décompose comme ceci. Le couteau bascule d'avant en arrière et reste toujours au contact de la planche. Les doigts poussent les herbes sous la lame. Troisième étape, concassez les herbes. Coupez les herbes en plus petits morceaux de cette manière. Le geste se décompose comme ceci. Vous savez maintenant hacher des herbes.